a dans cette histoire un enfant qui lui découvre, apprend que son père n'est plus là. Et simplement, on considère au début du spectacle que l'enfant se recueille. Peut-être qu'il n'arrive plus à parler. C'est quand même étonnant que dans ce livret, il existe, il est nommé, mais il n'a pas une seule phrase à chanter. Il n'ouvrira pas la bouche. Et c'est ça aussi qui m'a interpellé. Et donc l'enfant imagine dans sa chambre toute l'histoire pour quelque part excuser le départ et l'absence de son père. Je pense que les enfants voient tout. Et donc, à certains moments, le regard de l'enfant permet une réalité extrêmement juste et fidèle. Et puis, à d'autres moments, quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du cauchemar, où les personnages deviennent presque même les jouets même de l'enfant, les poupées de l'enfant. C'est ces êtres qui sont pas tout le temps auteurs de ce qu'ils font. Ils sont tout le temps trimballés, en fait. Et concrètement, dans la scénographie, ils sont posés sur des chariots qui souvent les déplacent malgré eux, comme s'ils étaient eux-mêmes les poupées dans cette maison de poupées. C'est ce monde de l'enfance. Et la scénographie a été pensée vraiment comme ça, comme un prolongement du jouet de l'enfant.